zami fidèle mwen yo, grand moun yo toujours dit sa méchant pa vle wè a, c'est li pral wè. Et parole sa yo souvent sorti nan bouche chrétien yo. Vle parler chrétien qui franc avec bon Dieu. Nous tout connais te gon procès nan sa fè programme Biden nan qui te gen date qui se jodi a la pour te joindre une décision. Est-ce qu'il y a campé programme Biden nan ou pas? Jodi a la plusieurs états tant que New York, Californie, yo te réuni ensemble qui déploieré avec 11 lot encore pour demander juge Tipto pour pas camper sous programme Biden. Il te déroulé te gen pile bouche l'ouvri pour nèg yo méchant yo m'te ka di pour te ka wè qui j'en yon pral kampe programme nan? Nous j'en New York, Californie, qui déploieré avec 11 lot encore, 11 lot états, pour mande juge là, pas occupé moun sa yo kap di, oh oui, kampe programme Biden nan, quitte le marché, pas kampe sous li, et yo di, s'il kampe, ça a cause dommage social et économique pays États-Unis. Bon, moi, pour nous, nous ne pouvons pas comprendre. Pays sa yo qui d'accord au programme Biden, non, yo mande juge là pour pas camper sur programme, non, et yo dit, si programme sa ta campé, li a causé dommage social et économique. Et puis, ouvert possibilité pour voyer bénéficier yo tourner dans pays yo qui déjà gain stabilité dans pays ya. Et ça me dit là moi l'île sous grand journal ça qui c'est Miami Herald. Et nous connais moun sa yo c'est avec Donald Trump y a marché yo pas vle programme Biden yo vle camper programme Biden nan. Te met les prix à payer. Faut que yo campé programme nan, mais nous j'en ai plus l'autre état qui pas d'accord pour camper ce programme nan à cause de économique pays ya. D'après CBN News, gouvernement américain pral mandé coup d'appel ou bien la Cour suprême bloquer toute décision défavorable juge des points Tipto. Par contre, si bien dit non monsieur consamlil non pas ngere t'a prend compte programme Biden nan pour bloquer toute décision défavorable juge t'a prend équipe Biden nan dit yo préparé parce que yo connaît juge ça cap instruit des dossiers si là pour jouer une décision pour camper pour Biden nan. Et yo dit yo préparé parce que juge ça yo connaît très bien juge ça li connaît que yo connaît que y a camper parce que juge ça c'est Trump qui t'est nommé le debout dit Donald Trump juge ça c'est pour lui. Si Donald Trump te nommé juste ça, équipe Donald Trump n'est pas d'accord pour gagner Biden, non. Ça veut dire que le juge a campé, il a pris une décision pour camper le programme, non. C'est la raison qui fait que nous avons un gouvernement américain qui dit qu'il y a probablement des coups d'appel ou bien tout la Cour suprême pour bloquer toute décision défavorable. Juste ça, t'apprends. Contre programme Biden. Comprenez bien, oui. Et ou même qui n'a pays d'Haïti, qui va rejoindre une famille, yon zami, cousin, cousine, fil pour aller dans le programme Biden, ça, continue target yo.
Si c'est la Tibonite pour aller pour yo, à la Tibonite pour yo, pour yo fil pour ou, pour qu'à entrer dans le programme Biden. Parce que il va jouer. M'a dit pour qu'on pas camper non, ça arrive le camper. Je dis à la tête yo te réuni pour ça à continuer et le camper là et pour ça camper mais pas aucune décision qui dit yo camper ce programme là. Parce que a gagné plusieurs râler mené vini, a gagné plusieurs autres petits dossiers qu'a traité pour qu'a joindre une décision finale ce programme là. Mais tant ça pas que temps ça passé pour grand merci. Pour le passé, à tout faire faire mon fil pour vous. Programme Biden n'a pas en jouet. Si vous avez nommé ça, c'est raison pour laquelle l'équipe Biden n'a pas dit que vous préparez, vous prêt là pour écrire la cour d'appel avec la cour suprême pour bloquer toute décision qui compte programme Biden n'a. Parce que jusqu'à yo li habitué bloqué politique yo déjà yo très prudent avec yo saison pour laquelle yo prend devant son garder jusqu'à la sur écran là c'est lui même ti grand monde ça qui gen vêt costume noir sous lui ou bien bleu ba koné et puis tout chemise blanc en cravate jaune c'est monsieur c'est Donald Trump qui t'est nommé monsieur et li habitué bloqué politique équipe Biden là déjà. Femme ou bien, gen pile moun ki yo te fil pou yo depuis mois janvier à nos jours. Yo pa konjèm validé. Yo pa konjèm ka joun email yo. N'a di moun sa ou pa santé. Gen pile boycottage nan sa fè programme Biden nan. Et pou kòp kanpe. Swat konnen, bon tout fon ti rappel pou ou. Pandan m ap pale la nan programme Biden nan. Nan fin juillet, gen 72 000 haïtiens qui ont validé qui entré dans le programme Biden. Comprenez bien, oui? Ça, c'est le chiffre que nous avons. Nous avons 41 000 qui sont. Nous avons 34 000 Nicaraguayens et nous avons 63 000 Vénézuéliens qui jouent accès pour entrer. Au total, si nous avons un chiffre, nous avons une somme avec nous. Nous 210 000 personnes qui ont joué accès qui entrer dans le pays États-Unis. Ça c'est chiffre que j'ai là pour fin juillet. Pour moi, août là, je n'ai pas de chiffre. Mais ça c'est le chiffre que j'ai pour moi, juillet seulement. Ça veut dire là, le programme là, avancé. Petit pas, n'a pas privé, ouais, Joe Biden. N'a pas entré à la caille tout ensemble. Tout nous temps de programme campé, il y a une forte possibilité pour le programme là, pas campé. Et si tout le programme là, campé, moun ki ont fil pou yo a y a tout sub dossier sa yo pour jeune pour valider yo pour entrer en net de net et kozal kaye ou même qui nan pays d'Haïti nan kote yo en République Dominicaine moun pa ko fil pou nan programme nan target yo surtout fois ou ta aimé al vivre nan pays États-Unis et jodi a la oui pour ça t'a déroulé. Et pour ça, il l'a déroulé, il y a plusieurs États qui étaient là. Tant que New York, Californie, et qui déploient avec 11 autres États encore, qui deviennent dans la science pour jouer une décision. Parce que vous ne voulez pas pour Jésus, Donald Trump, non, mais pour le camper pour le Biden. Non. Et yo dit si toutefois le programme Biden n'a campé, la ne ka di, la cause dommage social et économique et puis ouvert possibilité pour voyer bénéficiaire yo tourner dans pays yo qui déjà gain stabilité yo y a travail
gen moun ki rejoine accès pour travail, gen moun il va dormir la caille moun encore qui t'a payé caille yo pour été, gen moun ki rejoine licence pour conduire machine dans pays ya, gen ti moun ki t'a l'école. Ça veut dire là programme ben non li bon et pas même le camper faut programme ça là parce que li aide nous gen pile moun soit disant qui marié soit fille ou bien garçon qui besoin à vivre avec amour et amoureux yo nan pays États-Unis tout ça fait pour joindre yon visa américain ou pas joindre ni grâce avec programme Biden ça. Yo rive jwenn accès pour rentrer à jeune famille yo et gen en pile moun tout klan prend rager passer par Mexique pour rive États-Unis ba bête manger yo et là yo ici rive ya yo passe en pile misère gen kon mouri nan dlo grâce avec programme Biden ça tout situation ça coupé ou la ka ou yo mande photo premier page passeport ouvre l'aller. Yo fil pou, mi m'a gade route Joseph. Li fè konnen, li antre 27 moun nan programme Biden nan. Et ou même qui gen famou, qui gen pa 10, 20, 30, 40 ans nan pe États-Unis. Mais mon gen famille pa pou rentre nan famille an. Et gen route Joseph li même li gen antre 27 moun. M'a gade on live côté route Joseph a recevoir 6 moun. Li te fil pou yo le même jour tout moun sa yo antre. Li loue hôtel pour yo dormir avec yo monter au pays ya li te fait live sous local gardel sous trois coups de canon pour la vérité regarder live ça côté route Joseph qui sont ancien vétéran l'armée américaine qui file pour moun même mais c'est tellement file pour moun li file pour moun même moun ni pas reconnaître yon jour dans ville c'est moun quelque sur réseau qui dit route Joseph t'as pris s'il vous plaît m'a gagne moun nan pour nan pays États-Unis pour file pour moi t'as pris s'il vous plaît file pour moi yo file pour lui et puis tout. Y entré m'a gardé gon boss mécanicien on nek ki te kon tete machine nan au cap ou Joseph fil pou misye parce que misye te kon bal bon service te kon tete machine ni pou li le machine ou Joseph en panne li range l pou li et pa fami misye li nou zanmil nek ki kon li kon ni service le rentre nan pays d'Haïti et ou même ki gon fami on tonton on matante on cousin cousine chaque temps après de vrai venir américain ba ou y a voye 50 américain ba ou. Quand on a nous dit yo, si c'est pas nous voyons l'argent bas nous, mais première page passe pour nous voyons le bas où, file pour moi plutôt, m'a entré dans pays États-Unis, c'est quand on doit savoir où amouter qui j'ai pour me faire, si c'est pas nous voyons l'argent bas moi, ça c'est mon qui est volonté oui, m'a parlé là, mais gars mon qui peut se mettre, il y a pas de vrai type comme bas yo, au lieu il travail pour faire comme là, malé rendez-vous dans prochaine émission pour Gavin traiter le dossier channel ça, c'est production 609. Maman Pemba, continuez à abonner, like, commenter, partager vidéo, ça fait le rejoindre notre famille, notre ami. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission. Pour ce qui même qui a démarré jeudi, nous allons regarder qui ça qui prévoit pour journée 1, comment pour ce qui a déroulé et qui ça nous-mêmes, nous capables d'attendre. Nous arrêter de regarder la vidéo jusqu'à la fin, nous allons nous quelques updates. Pas oublier Choukoun désormais c'est sponsor officiel page là Jean nous capable depuis hier et même avant hier nous t'ai commencé poster des contenus qui gagne rapport avec Choukoun. C'est avec plaisir nous compte collaborer avec Cola Diaspora qui connu mais vraiment dans plusieurs pays côté qui gagne communauté haïtienne qui a évolué à yon Cola qui fait preuve li en pile monde parler de lui yo dit comment li goût et saveur yo différent sou pa renmen so ka pran ça sou pa renmen flavor so ou ka pran yon lot. Nous invitons ou continuer suivre Cola Choukoun sur tout réseau yo Facebook, Instagram et partout sur toute plateforme yo et yon moun ki li même li vle ta ka di vann Choukoun an gros li capable contacter responsable yo sous numéro ça et ou capable acheter en gros et vann côté ou ye ou ap vive n'importe côté à travers le monde là. Alors, vidéo ça a un petit crasse spécial
c'est un bail moi fait rapide pour moi capable ba nous update de qui ça qui pour le fait dans cadre jugement ça que nous tout connaissons jeudi à 24 procès à lui-même l'a démarré n'a pas rappelé gagner 20 états républicains qui étaient attaqués programme Biden d'un côté au dit son programme qui illégal son programme qui pas campé sous un qui pas respecté loi américaine pour ça il était introduit une action en justice dans le tribunal Texas et c'est juge Joe Tipton qui pral mener procès ça notre si recherche qu'on fait rapidement n'a pas rappelé que là je dis à nous non seulement devant desktop moi et dans bureau et puis moi gagné laptop moi qui en face moi là et matin on a tiré recherche que n'a fait gagné associé de presse qui sorti un article bien bonheur matin vers 6h côté yo bail des détails que yo connaît sous déroulement procès ça moi même capable dire ça moi ouais dans article ça et associé de presse dit procès à l'état doit retransmettre en direct depuis Victoria et dans Texas et la fête dans un salle audience fédérale dans Houston et procès ça li ta doit durer 2 jours selon ça Associated Press fait connaître et automatiquement 2 jours ça fin épuisé juge Tipton a gain pour rendre décision dans et on date qui jusqu'à présent poko déterminé donc et juge Joe Tipton n'a pas rappelé son juge qui m'a dit gain réputation proche républicain c'est ça qui fait grand pile qu'est sauté sous avenir programme là et n'a pas rappelé juge ça c'est Donald Trump qui était nommé nous connaît Donald Trump et toute position par rapport avec question immigration etc. Donc son procès j'aime dire qui a démarré jeudi mais qui a duré 2 jours selon ça Associated Press fait connaître et deux parties pour gagner pour défendre thèse défendre argument et bon côté pas yo administration Biden à travers avocat pour venir défendre et programme là pour dire que et par rapport à programme ça yo permettre gon réduction qui fait dans et migrants illégaux cap essayer rentrer sous frontière là surtout frontière américano-mexicaine et yo dit tout dans argument yo a yo pour laisser défendre devant tribunal là pour dire que à travers programme ça gagner moins monde qui prend la mer et parce que moun yo gagne normalement yon chemin légal pour yo rentrer ici aux États-Unis et dans partie en face là qui c'est avocat républicain yo pral et mettez devant argument qui fait quoi que programme ça illégal et yo même dit que son programme qui permet que n'importe moun rentrer sur territoire là et yo insister pour dire que c'est des monde qui va rentrer sous compte l'état ça qui va venir faire que autorité fédérale yo pral gen plus charge sous yo son ensemble d'arguments qui va le confronter pendant séance ça qui a démarré jeudi a n'a rappelé que c'est un procès lié il démarré jeudi a c'est pas comme si Jean Monnier a dit jeudi a le programme n'a pral camper etc. C'est tout un procédure déjà j'aime dire c'est 2 jours la durée selon ça Associated Press fait connaître pral gagner débat pral fait pral gagner dépôt des pièces et c'est pour que kounye a décision à prendre donc c'est peut-être ça et Associated Press mettait pour une date ultérieure ça veut dire pour que vraiment et connaître maintenant ça me voulait pour nous kembe dans tête nous gagner plusieurs scénarios qui ca et paraître dans décision juge Joe Tipton premièrement juge la gagne doit décider li dit programme là il y a Kimbel parce que selon argument que le tendait que le ouais devant le document représenté et programme n'a respecté toute loi américaine yo et il pensait que son programme qui capable continuer mais penser c'est nouvelle ça que en pile haïtien après t'étendre deuxième cas de figure juge la gagne doit décider il dit par rapport avec tout argument yo présenté devant lui estimer que programme ça illégal yo obligé Kimbel par contre campé programme là, il y a plusieurs autres petits scénarios en bas que jusqu'à présent nous pas connaît qui ça va le présenter. On dit programme là ta campé premier petit scénario qui a venu ou bien sous scénario c'est juge la gagne doit dire que monde qui était déjà appliqué USCIS qui a continué fait processus yo étudier dossier et prendre une décision sur lui. Deuxième l'autre petit scénario qui a venu paraître juge la gagne doit dire et il y a campé sous tout application net que ou te en dedans que ou a peine fait application que pral faire application pas gagne application à recevoir du tout c'est seulement monde qui gagne autorisation voyage qui capable voyager
de pour gagner tag autorisation voyage ou capable voyager. Ça c'est deuxième cas de figure qui apparaît dans décision juge là. Troisième cas de figure, juge là gagne droit dit que pour gamin dans camper pas gagne monde qui rentrer du tout, ni monde qui appliqué, ni monde qui était déjà en dedans, yo t'a étudié dossier, ni monde qui a autorisation voyage. Tout bagaille camper net, pas gagne espoir pour programme là du tout. Donc, on va essayer de regarder ensemble de scénarios qui capable paraître et automatiquement juge là lui-même est capable et prendre décision. N'a pas que vidéo ça ne fait à son une vidéo que nous a peut tourner environ 9h matin là jeudi à jeudi 24 août là et information capable évoluer à n'importe qui là même t'ai décidé faire pour moi ba nous quelques updates qui gagne. Avant m'aller n'a pas rappeler que procès à lui-même l'a démarré officiellement jeudi à selon Associated Press qui cap durer environ 2 jours et juge là Joe Tipton l'état doué annoncer décision n'a une date qui jusqu'à présent pas qu'on fixé. C'est un procès qui t'a doué retransmettre en direct depuis salle audience fédérale Houston et normalement et tout parti yo même yo pral gagner pour yo défendre position yo. Et avant d'aller n'a bayon petit chiffre rapidement sous programme nan jusqu'à moment n'a parlé là et jusqu'à fin mois juillet Associated Press fait qu'on a gagné plus que 72 000 haïtiens qui autorisé, ça veut dire qui confirmé et qui autorisé pour venir aux États-Unis. Gagne 63 000 vénézuéliens, gagne 41 000 cubains et puis 34 000 nicaragouéens qui autorisé rentrer aux États-Unis, ça qui bail un total environ 210 000 bénéficiaires qui déjà rentré aux États-Unis. Moi te voulais faire cette vidéo ça pour me ba nous un petit update mais tout dis-nous comment et procès à lui-même les cap déroulé et qui ça nous ca attendre nous comme scénario dans cas de décision juge là bien pour le prendre. Mais si tout le monde rester branché page là tout ça qui dit et tout update qui gagne dans cas de procès ça. On ne fait pas en fonction des catégories si c'est une entreprise si c'est on lot. Mm-hmm. Eh bien, sous base ça, le taxe, elle paye taxa aux collectivités. Collectivité a soit agir directement à travers l'intercommunalité, soit les confier gestion justement à une autre entreprise. Et il y a une subventionnelle si accumulation taxe, pénage ou entreprise pas suffit pour financer. Et c'est le même jour où l'État a subventionné EDH là, et courant, mais il y a subventionné tout question FATRA. Mm-hmm. Je dis à me passer et Johnny a un sujet de délai capital, puis passer un pile temps sous lit. Moi, t'as souhaité que nous fassions un débat qui est plus large, ou une véritable émission pour le monde qui connaît notre pays, pour les jeunes, ça n'a pas eu lieu. Pour nous, qui ça nous a apporté comme contribution, mm-hmm. vraiment, la gestion des déchets, qui a créé des milliers d'emplois dans le pays, qui a fait taxes et une collectivité, mais qui a fait vidéo propre, l'or étranger à côté, mais t'as ça, la taille, comme magistrat, pour état pays, on va dire, est-ce que des dirigeants, d'abord au niveau communal. Mais la réalité, c'est que justement, si ces compétences sont aussi partagées entre l'État et les collectivités, les moyens sont gardés par le pouvoir central. Ah, c'est clair. Il y a toujours à acculer les nerfs, ceux qui sont fatras, mais curage canalio, c'est responsabilité exclusive TPTC. C'est pas million. Mm-hmm. Mais combien de fois où est ça fait? Mais des comptes électriques quand même, car Foum fait un mois après curage, gaz à $35 il y a 13 mois, je dis à le vendre $124. Oui, c'est diminué et nous n'avons pas gagné personne qui va aimer un galon en plus pour compenser maintenant ça. Mm-hmm. C'est du management public intelligent. C'est ça pour nous faire. En plus, le monde qui connaît le pays, qui connaît comme ça pour le fait. Mm-hmm. Nous sommes au monde, malheureusement, qui mourent aujourd'hui. Lili, Jean Paul, nous saluons moi déjà. La personne, j'ai un verre, nous juste comment faire, ben, faire notre pays pour ça. Est-ce que les gens nous disent, juste nous accepter. Nous assez nombreux comme magistrats en collectivité pour nous pas accepter cette situation ça. Parce que pas de volonté politique pour tes bon portage politique de centralisation hein, qui sert à le pays d'Haïti. C'est pas juste comme magistrat. Mm-hmm. Ça, je dis, c'est notre pays, là, dans le mairie d'Elma,
t'es supposé faire tout le monde comprendre que l'avenir Haïti, c'est décentralisation. C'est recettes meilleures qui pourront augmenter. C'est pour l'État venir en compensation des recettes. Et puis pour l'État mettre contrôle, pour contre et organiser le contrôle, pour mettre en capacité avec cette gouvernement, pour faire des services, et puis une question politique à gérer par le parti politique et le gouvernement de la République. Pendant parler de recettes meilleures, même dans mon vimado de qui ça. Qui sa recette mérite, ou soit parler tout à l'heure de questions de sécurité, hein, par exemple, mérite ou est quoi des bouquets, par contre, si existait toujours, parce que zone sa c'est bandit qui contrôle, mon parti dans tabac, cité soleil et également. Et ensuite, ou gagne culture mounio qui pas payé impôt. Ok? Oui. Par exemple, Guédé Mérie, c'est 6 à 7% monde qui paye impôt. C'est-à-dire, mounio, des fois, tout yo pas payé. Ouais, ils ont pas participé, mais pourtant ils veulent les résultats, ils veulent efficacité. Okay? Voilà. 6-7% moins. Vous pouvez voler question ça, yo. Non. Vous pouvez voler, vous parlez de qui ça recette collective constitue. Le constitue de pour locatif que nous les CSPB que décret 5/1999 a institué. C'est contribution foncière pour les propriétés bâties. C'était principale source des recettes communales bien avant. Et projet loi exercice 17-18 là. Et après, partant là, le relèvement de la base de la patente, qui passait de 2 à 4 pour 1000 sous initiative DGI que nous félicitons en pile, je dis à patentio, t'as dépassé recette au titre de la CFPB pour les grandes communes de la République. Et permis de construire qui pas fiscalisé, gagné droit d'affichage. C'est des taxes et complémentaires qui viennent assurer et financement budget mairie. Ça, on peut être solide. Par exemple, mairie Delma en premier, mairie Port-au-Prince en deuxième, mairie et Pétionville en troisième, mairie Tabac en quatrième, Cité Soleil en cinquième, Petafou en sixième, ainsi de suite sur l'ensemble du territoire. Cité Soleil en sixième parce que effet relèvement base de position qui passe de la 4 pour le monde, et grande entreprise qui gagne Cité Soleil, grande entreprise fait que gagne un effet particulier sur cette Cité Soleil par rapport à Carrefour, en dépit de niveau d'activité et nombre de maisons de propriété bâtie sur Carrefour. C'est un fait particulier pour nous-mêmes d'analyser qui sont fiscalités locales. Donc, je dis à parallèlement à ça, si 95% des recettes de la République est constituée du patrimoine impôt locatif, alors que les mairies, les communes rurales, par percevoir un seul centime au titre de CFPB, sont capables de payer entreprise sur le territoire sérieux, capables de comprendre qu'il y a une véritable inégalité sur l'ensemble collectivité. Entre les métropolitaines et reste commune de la République, et les mairies qui ont 60 000 personnes sous côté dans une commune, qui pas même fait 50 000 gouttes de recettes annuelles. Comprenez bien les résultats. 60 000 habitants, moins de 50 000 gouttes de recettes annuelles. Elle nous dit que territoire ça, au point de vue de la constitution des lois de la République, est à la fois autonome, financièrement et administrativement. C'est un leurre. C'est démagogie. Nous-mêmes intellectuels, nous-mêmes, nous devons analyser la question ça, nous dit que c'est pas bien. Sur question de sécurité, on met toujours dit, gagner une responsabilité que mairie Marissa Rodriguez sur la question de sécurité. Tout, même si nous sommes premier ministre de la République, nous sommes ministre de la République, question de sécurité, on met un état de fait, c'est mairie avec Kazekio qui responsabilise tête yo sur yo. Parce que côté premier ministre, il y a, les parents qui ont passé la salle, c'est rôle PAM, c'est rôle Kazekio. Ce qui a passé et pour si, c'est Wol Kazette, Joseph Kazette, magistrat juge du droit. Parallèlement, la police, nous voyons approche policière de la sécurité, qui est limitative et qui va produire résultat. Yo. Parce que justement, mais il va dire autorité sur la police. Moi, j'ai des liens administratifs, des liens étroits avec la police de Carrefour, mais c'est pas sur la base d'un texte qui dit que. Magistrat, c'est le chef et police dans la commune. Monsieur, vous pouvez imaginer, ça va pas vous écrire. Et c'est 6 doctorat. Sur Johnny, on dirige 1 million d'habitants. On va avoir une seule force de l'ordre à disposition.
ni pour question fiscalité, ni question environnement. Donc l'approche pose de la sécurité, les limitatifs, il faut faire en sorte que gagner qui au premier chef de question sécurité là, et que Maïssa aurait pu répondre tout le temps devant le premier ministre, devant des autorités supérieures, sous question sécurité de la commune. Moi, je me répète, les gros incidents sur la sécurité qui passait dans la zone de la commune, Maïssa est supposé pour les mobiliser sur les lieux à équiper. Communiquer à la justice, communiquer à la population, population en confiance, c'est des notes de presse sorties, expliquer ce qui a passé là. Pas en question de me dire que m'a fait tolérance. La sécurité des vies et des biens est la première de mer sur son territoire. Moi, ils vont juste parler gros français. Gros français, ça c'est lui. C'est là où on va passer Carrefour. Pas au monde qui est le guide du Jude, ça va passer Carrefour. Pas au monde qui est le Jude, ça va passer Delma. Pas au monde qui est le. Et nous, si mon tabac, ça va passer tabac. Nous faisons un magistrat, une réunion avec nous. Une dîme sans connu de ça, qui ça va passer une gaffe. Mais c'est la communication entre les. Pour une solution. Laisse ça, problème politique qui vient. C'est ça. Même ces problèmes opérationnels, pour nous résoudre, même nous, sécurité. Et de ça qu'il s'agit, pas du management public qui a fait son ensemble de préoccupations d'intérêt général. Chacun fait ses règles, et quand chacun fait ses règles, tout se dérègle, dit-on. Et c'est là où nous devons arriver. Quand les financiers en grève, mais ils ont fait 5-6 mois, même si tu as de l'argent sur le compte, 9 mois, pas qu'à décaisser. De quoi parle-t-on en matière d'autonomie financière administrative? Gave ça a levé, Gave ça a levé. Jusqu'à présent, pour relever, il y a des problèmes toujours, mais avec des CAU qui me remercie, lui, une question en charge, il y a vraiment amélioration qui fait. Par exemple, sur la question allocation, il y a plus que 25 mois de collègue. Il y a des gens qui ont touché 3000 gouttes guerriers qui ont 20 mois pas touché sur le territoire qui ont bail service public. Sous Bazar, mon pensée ministre intérieur, font avancer extraordinaire, faut nous saluer, c'est la mise en place des fonctionnaires territoriaux. Ça veut dire que Mounsayo, l'État, pour une fois, va prendre un budget, l'argent pour financer fonctionnaires territoriaux là. Faut qu'il fait par rapport à temps passé, non verser allocation aux collectivités. Et ce bail deux mois encore, deux, trois mois qui en cours, son effort qu'a fait que nous apprécions. Des épisodes dans la réunion, effort ça, l'important, nous pensons faire aller plus loin. On te propose, comme moi qui maîtrise le sujet, pour te faire la budgétisation des dettes locales, des dettes collectives territoriales. Ça veut dire que la capacité qui vient juste à montrer comme en France, pas suffit pour lui payer près de 2 milliards de gouttes de dettes, sous base d'allocation. Et patronal, tout ça. Alors que, dans le budget de l'État, pas d'une seule centime. Mais ce sont des aberrations. Pas d'une centime dans le budget de l'État. Seul pays dans le monde comme ça. Pas d'une centime dans le budget de l'État qui est alloué aux collectivités territoriales. Je vais dire à la mairie de Carrefour, je vais parler des collectivités territoriales. C'est une véritable aberration. Il faut que ça change. Et vous m'avez dit que c'est l'occasion idéale. La transition, il y a des décisions qu'on prend. Dans le budget de l'État, mettez l'argent de collectivité pour faire projet. Parce que je ne sais pas un projet qu'on fait dans le pays. Mais il y a des faire projet. Question de l'eau, question de route, interbattue. Il y a des faire, il y a des créer des jobs. L'argent a besoin d'une population. Des histoires, mais il y a des gens qui ont l'école. Donc, sous plan ça, nous pensons que c'est un sujet important que d'aborder. Merci Johnny parce que tu abordes le sujet là, qui réveille nos cabanes nous, qui fait que le sujet ça vient nous tourner sous le tableau encore, pour nous mobiliser experts nous, pour nous faire un cours d'émission sur la gestion des déchets. Il y a un peu de l'université qui a fait fort déjà. Nous sommes recteur là, Jacques Lumac fait avec équipe donc les réflexions qu'il fait sur l'université dans ce qu'il y a sur gestion des chaînes. En tout cas, mobiliser ça sur un coup forum sur Radio Caraïbe dans cette culture là avec mon dit qu'on l'université ça pour nous comment on va gérer Fatra parce que Fatra pas supposé menace c'est opportunité liée pour finir mal dans une mission de prospection de bataille d'expérience au Canada, pour finir, en 2018, gagner au bout de mettre ensemble sur l'intercommunalité.
yo confier gestion des chiens à l'intercommunalité. Chaque magistrat yo a une présidence tournante, même si avec les gens de Palme. Dans la gestion d'échelle, dans la mutualisation de gestion d'échelle, ils ont fait 6 millions de dollars américains de bénéfices sous gestion d'échelle. Ils ont fait 6 millions de dollars, et canadiens, pardon, de bénéfices au terme de l'exercice sous gestion d'échelle pendant 5 dernières années. La France, on ne peut pas faire avec. On t'a pas avec 90% de l'argent, ça, président Merla Dimondake, il réinvestit dans fait sensibilisation pour pérenniser le projet de gestion des déchets dans la municipalité. Nous-mêmes, là, quand nous, quand nous bouché, et nous-mêmes, nous avons traversé le remblé, alors que le passe au compte pour lever, nous ne sommes pas pour lever, là. Ou pas gagner accès à lui, ou pas qu'à dire rien, ils sont bonhommes, ou pas qu'à dire rien, mais c'est où magistrat y a joué. Haïti doit revivre, Haïti doit avoir bel avenir, c'est la décentralisation. Une fois que volonté politique, juste pas la pape là comme magistrat, à tout du magistrat à fond, il faut rétablir tes mérites, c'est qu'on a une capacité pour faire service dans le pays là. Question politique, gouvernement central, parti politique, agir.